Donc, allez, euh, mes chers compatriotes, euh, voilà, je m'exprime un peu en poulaire et après je viendrai en français pour ceux qui ne comprennent pas la langue peul. Euh, voilà, je suis venu juste pour éclaircir, euh, voilà, et vous dire que Dieu merci, euh, grâce à vos bénédictions, grâce à tout le peuple conscient euh, de Guinée, voilà, je suis libre. Voilà. Je suis à la maison, euh, comme beaucoup l'avaient dit, euh, que j'ai été euh, voilà, frappé, bastonné et emprisonné. Voilà, effectivement, j'étais en garde à vue. Voilà, ça s'est très bien passé. Euh, en fin de compte, le procureur m'a libéré. Voilà. Euh, 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 le combat continue, effectivement.

euh, vous avez été très nombreux très nombreux vraiment mi message din euh, wallahi hay wulli ni lan sax doaji e, himbe anan belan euh, mi halantan donc mi salmini on, on fou mi wel tanique on fou alla djabini doaji din hay ko yon andu on ko enen wodani goddo godi watan ko go no kugo ara wadane on ɗumɗo wadde waɗde kon ko fi leydi e gonga wonɗen donc gonga non waawa tunaaaatun hara musiɓɓe am mi andini on e uh, jam mi, mi hewtitiosuuu haray kadi uh, vrament uh, jama uh, notiɓen fo yawuɓe vraiment daranagol goonga haray ɓe fok maɓɓe be, ɓe weltanama donc haray piiji buy feɗƴi ton Uh, komme no miwi'ri non on anndi ko naɓi en ton ko force vive de guinee un nodditi fo sabu honɗum anndama wonndema uh, ko ɓe wone e waɗde ɗo kon fo ko fi wallitagol lamɗo on laamiiɗo feewɗo ɗo do guine u mamadidumbuya donc sina ɗum si, si tawi na fi wallitagol mamadi dumbuya uh, min mi sikki you no know, woni fasil moƴƴigol parti mum

mais ɗum ɗon no nani musiɓɓe an no nani ko goɗɗo yaltae parti yara nokkugo' hannde si tawno hara nun ɓe wonnoɓe wolude ɗon e samdi wi wondema no ari kaƴum fi waɗugol congres e inde ufdg si tawno koko parti ba usman ɓe wonno ma si tawi ko parti aliubaɓe wonno model ene hiɗon sikkude ɓe innaino wondema ɓe yahai ɓe sinca ɗon model ɗinmo ma ɓe sinca ɗon parti uh, ba, ba usman non dimmo mo upr ɗo sikkono ɓe yano ɓe sinca upr keso o oh, be ɓe eno karema parce que hare ɓe anndi mbuuɗi alaa ton mais ko honɗum woni fi gol usman gawal do den ko parsque himo jogi mbuuɗi mbuuɗi lagine ɗin ko mbuuɗi men ɗin o woni ƴettude o duuaɓe ko mbuuɗi menɗi wona ƴetteede ɓe jonne fi honɗum fi jiɓugol ufdg minion mis mission, mission usmaan gawal mo ɓe innio kano kan ɓwnedaranasn fi hndo fi o waɗi du congrs alaji sellu misio makko n f fisassjnusngwal tao figɗɗgfis

joni o yehi o fuɗɗike attakude parti on o wolii piiji ko tawata ni kala wonanɗo ufdg waata wolde ɗin kongudi ɗon joni parti on desidi spircimo si ko honɗum kadi woni atagol inna wondema ko forse ko ma o wona ton ko honɗum woni ɗum ko seede wondema mission on fof ko jiɓugol jallo mais enen non enennon enen militanɓe be ufdg ɓen en jaɓantam kambe kamɓenon yeeyuɓe ndimankaaku maɓɓe ngun ko haaju maɓɓe faalaaɗowoyo jaɓu buuɗi ko haaju mon goɗɗo jonnataama dir ndi naaoni ngoit ndimu na ko ndimu, ndimu, ndimu ega andimu Sa ala non ndimu kala ko a jabay yeya ndimu voilà en en non en don tawaaka ɗon koɗu aɗi siwiɗen nkiny inchaallah o rabbi non gonga waawafenaade pasque ɓe waawata en hulɓinde ɓe waawata en hulɓinde fes ko honɗum ɓe waawi ko ƴettugol penaale yowai hoore meɗen ko honɗum ɓe waawi ko etagol etetee ɗin fof fii jiiɓugol presiden selludalediallo ɓe waawata ɗumɗon pasque allah jaɓata awa musiɓɓe an onon ɓe yahano ɓen onon ha hande holibe gonga ko gonga fenaande ko fena jogite gonga mungo, tipe don wato fenaande jogitee mungu mon goto tippeeɗon wattaon mungu accitebe don kambe yaltube ɓen on andi mi boyi on halande do wandema, uh, do euh engal lagine gonga parce que on andi il il faut faut li lo taw haalande yaltite taw e ken ha andembe ko kambe woni hombo On non siwa wen non siwa wen non andu de non pi je din kohono watirte on fami. donc euh, musipiyo on ibe yalti tu bedong e, nyandeng e samedi engare yemudu engare yemudu be yalti tu bedong c'est à dire il fallait bedo faut koe be map de yalti ta kene yama on anda kobe bedo on no jibu de UFDZ n'der n'der hari ɓeɗo den hiɓe nder ton ɓe sali yaltitude ko ɓe haɓɓitino ko ma o congres do hewta be ara deƴandenon ɓe yaltita non be wada quelque chose de grandiose men no no be be m no ara usman gawal president no fihonɗum don men no be 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 men inni be, yo dénoncayɓe be me kono be jooɗagol men ton ko fi hon parce que men men denon saybe wa wata gol men salo denon denoncede on va dénonce

iɗen wondi ko ɓernde hiɗen wondi ko gonga hiɗen wondi ko ndimu hiɗen anndi kongol ko dimo nagge ko ɓoggol enennon ko enen non woni en negociata ndimumen gun en bonnata jikke rabbi en fapacque ha goto ntohɓta en, de dundon, en de Parce que gonga wa de. voilà haray onon euh, faalaaɓe jiɓuɗe ufdg ben fo min ko mi inni on hulata allah on rsaa on hulata allah on hersata sina ɗum hino wudi no gerdon yalton ufdg me hara naani ndaa no tanu tanu yaɗe balɗe ɗo tun tanu hari mo ufdg sabu o wonali federal tun o yaltiti joni kanko kadi e kene joni kanko kadi komo sera onyi'i ɗum ɗo non min mi haalanno mo d mi haalanno mo dei kanko tanu mi innimo hay sattiri wa habbo benmu wata njibu, wata jiɓu horematj wata jibu horema. kono non

ofodawon kadi kalisi o jatta kalisi kadi jonnaw kalisi do jonnew ni fof kadi ko wujjaadi parce di salaire makko ousmane gawal ala salaire ko c'est c'est ndita en der europe wala on salaire wala on salaire wala salaire ko jetta mboudi sendita en der lagine fof ko woni ko mboudi lagine din on est senditoude on do on wujadi. Onombe ko mboudi wujjaadi o ben wano ansoulayman e ben gumma

ɗumɗoɗen e wiɗon acccce appel ji ɗino ɗuuɗi uh, do yafini donc joni jooni euh parce que tout simplement ko pinka ɓe holori hombo woni annda ɗum himɓe wonaa ɓe wareede ɓen onon on annda ɗum on anda ko himbe wona warede on anda ko himɓe wonaa kinnapeede on anda hande banu adama no itede sadaka ko meden on anda hande mejaaji ɗin fof no ferma on anda himbe no soka on anda himbe no rada on anda wobe hande susata hooɗde ko man ɗum do fof iɗon andi ko hombo woni porte parole be porteparole ɓeɗo o usmangawal onon nginni ko on ami Ousmane gawal mais allez-y mais UFDG c'est ça le problème UFDG ya yahon jokkon Ousmane gawal Ousmane gawal déjà sariya on newnanaamo yoyo ɗuman no fewunɗo yo wonu hay candidat sariya on newnanamo mamadi dum mboyi a sariya on newnanaama jooni onon yiɗon faala non jibude leydi ndin fo sabu honɗum sabugongelmeenon jooni kome onbudukaonjɗoako m accajio edallahhaednneaediɗonwondi pinka. jogiiɗo pina wonde wnie e, e, laamiiɓe ɓe hiɓe hollude himɓe doole s' est pas posible me men me innaali menen Men what I got though, Koboni. Men kono no men denon say. Men denon say de. Ha. Dun dongo ala on ala fere. Don karay musi bian message on duty. Karay mi wawata yo fu uh, mi aro yei. Uh, uh, biento, Inshallah rabbi. Hari mi yal tuno do tung. Andingo long on fop. Wande ma. Ming hai goto piala. Si yal e video ton komi, komi yani. Ande mi ko pade mi watino den glisi. Ta indi ang hibi don mi

Haraya, moi c'est bien. Haraya, mi 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 arabo sèda et français. Juste expliquer en gros. Hier, benant ta français, ben haraya, mi akirani live. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Excusez-moi pour tous ceux qui n'ont pas entendu. ce que j'ai dit tout à l'heure en pular. Donc, c'était juste informer aux gens d'abord que je suis bien rentré chez moi, je suis libre. Euh, voilà sans poursuite judiciaire. Je suis vraiment euh, content euh, de tous vos doigts euh, que le bon Dieu vraiment a accordé. Donc euh, sachez que vraiment, euh, on est ensemble et que le combat continue. Euh, ils ne vont pas euh, nous intimider. Vraiment, ils nous ont, euh, ont sassés de chez nous. Aujourd'hui, les Guinéens sortent du pays. Les Guinéens sont traumatisés. Les Guinéens... Euh, ils sont en train de massacrer le peuple, hein, de tuer les gens à balles réelles. Euh, il y a des gens qui sont kidnappés, il y a des gens qui sont en prison. Euh, donc, euh, tout ça, euh, il ne faut pas que nous, on reste tranquille. Parce que euh, le, le, si on pense à Fonike Kemenge et Bill Loba, euh, seulement les deux-là, si on pense à eux, des activistes de la société civile, les acteurs de la société civile. Si on pense à cela, on ne peut pas, on ne peut pas rester tranquille. Il faut vraiment qu'on soit euh, un peu humain quand même pour oublier ces gens-là. On ne peut pas oublier Fonike Menge et Biloba. Donc des gens qu'on ne sait pas où ils sont et alors ils n'ont rien fait. Ils ont, ils ont fait que défendre notre patrie. Donc, ils l'ont fait pour nous, pour nous tous. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Donc, c'est pour cela. Moi, quand je me retrouve en garde à vue, mais quand je pense à Fonike Mengue, quand j'étais en garde à vue, moi, je pensais à Fonike Mengue, Je pensais à billoba. Je pensais à eux et je me suis dit, vraiment, euh, voilà, c'est un combat noble. C'est un combat noble. Donc, euh, voilà, euh, mes chers compatriotes, il y a beaucoup de gens euh, qui sont sortis pour dire de n'importe quoi, qu'on m'a bastonné, qu'on m'a fait ceci, qu'on m'a fait cela. Donc moi, euh, je vous ai dit, les vidéos existent. Je ne suis pas allé pour frapper quelqu'un. Je ne suis pas allé pour faire du mal à quelqu'un. Je suis allé pour dénoncer. Et tout le monde a vu que j'ai dénoncé. C'est ce qui s'est passé. Donc toutes les accusations qu'ils ont mis contre moi, les vidéos ont démontré le contraire. Parce que moi, j'étais euh, en train de dénoncer par la mégaphonie. Libérez Fonike Menghe, libérez Biloba, abat Ousmane Gawal. Ça, c'était les dénonciations que je faisais. Donc, mes chers compatriotes, sachez que euh, euh, ceux qui veulent détruire l'UFDG, tout simplement, ils auront honte. Parce que, si vous voyez tout ça, c'est parce que Ousmane Gawal, la mission qu'ils lui ont donnée, c'est de détruire ces loups Diallo. Hein? Ne, ne, C'est-à-dire <coughs> détruire ces d'Alen diallo Et ça, ceux qui, ceux qui accompagnent Ousmane Gawal sur ça, ils se trompent. Parce que détruire ces loups, ce n'est pas une solution pour la Guinée. Ce n'est pas une solution. Vous pensez que si cela était dans le parti d'Aliouba, le modèle, ou de Ousmane Ba, Baousman, UPR, vous pensez que s'ils étaient là-bas, ils allaient dire non, nous sommes des UPR, c'est les lois qu'il faut respecter. Non, 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 c'est parce que c'est l'UFDG, c'est parce que c'est celui d'aller, donc il faut dire que non, nous, on appartient à l'UFDG, il faut respecter les règles, on ne peut pas sortir d'ici. Non, 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 mais attends, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Le président, c'est le président, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, et eh, voilà, vous démissionnez. La direction a dit. Expulsion de Gawal. Vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Vous, portez, vous, vous, vous allez vous créer votre parti, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Mais ne dites pas que vous ne pouvez pas accepter l'expulsion de Gawal, alors que vous-même, vous êtes expulsé ici euh, dans vos, euh, comment dirais-je, dans vos structures. Vous êtes expulsé du parti complètement. Donc, si maintenant vous voulez maintenant créer un parti politique, Allez-y, créez votre parti politique. Mais utiliser Serag UFDG, nous ne l'accepterons pas. Et c'est nous, nous c'est ce qu'on a dit. Même à la police, c'est ce que je les ai dit. On ne peut pas accepter qu'ils utilisent le nom de l'UFDG. On ne va pas accepter ça. Et, et c'est très normal qu'on refuse cela. Donc, s'ils veulent maintenant utiliser Serag, c'est leur problème. Parce que moi, je sais qu'avec le nom Serag, ils n'auront pas des gens qui vont les répondre. Donc, tous ceux qui répondront, ils répondront parce qu'on les a donné de l'argent, tout simplement. Mais arrêtez le nom de l'UFDG. Donc, vous ne pouvez pas détruire l'UFDG ni celle-là. Vous ne pouvez pas. Donc, dire que je suis de l'UFDG, moi, il faut qu'on respecte ça, ça c'est d'être malhonnête. Vous êtes malhonnête. Moi, aujourd'hui, si je ne suis plus d'accord avec l'UFDG, mais moi, je vais faire une annonce officielle. Je veux dire, je ne suis plus de l'UFDG. De... Mais écoutez-moi bien, quand on est à l'opposition et qu'on démissionne de l'opposition et qu'on aille au pouvoir, c'est parce qu'on est corrompu. Mais sinon, si vous êtes opposé au pouvoir, même si vous démissionnez à l'opposition, vous partez à l'opposition, mais vous n'allez pas au pouvoir. Donc, mes chers compatriotes, sachez que votre combat est perdu d'avance. Parce que tout ce que vous faites là, vous-même vous le savez, Ousmane Gawal, il ne fait pas pour être président de la République. Parce que déjà la loi ne l'autorise pas. Tous les chartes ne l'autorisent pas. Mamadi Doumbouya, la même chose. C'est ça le problème. On a vu ça au passé avec Dadis Kamara. Ça ne marchera pas. Donc maintenant, vous allez lutter maintenant pour que Ousmane Gawal mélange le parti, détruit le parti. Vous, vous, vous allez le faire pourquoi? Pour vos propres intérêts Nous, vous pensez que nous, nous allons nous taire pour ça On ne va pas se taire. Le combat continue, mes chers compatriotes. Le combat continue. Vive la République de Guinée. Vive l'UFDG. Le combat continue. Donc, si vraiment vous pensez que vous allez nous faire taire, vraiment vous vous êtes trompés. Vraiment vous vous êtes trompés. Parce que nous, on n'a rien fait de mal. C'est vous qui voulez nous faire du mal. Vous êtes en train de nous terroriser au pays. Nos compatriotes n'ont même pas de l'eau à boire, ni l'électricité. Aujourd'hui, aujourd vivre en Guinée, c'est devenu quelque chose de, de, de quasi impossible. Ça dire fuir le pays, aujourd'hui, c'est plus facile que vivre là-bas. Vivre en Guinée, c'est devenir un pays invivable. Vous, vous venez, vous prenez l'argent du contribuable. Vous amenez ici en Europe pour partager aux gens. Mais vous pensez qu'on va vous laisser. Et en plus, vous utilisez le nom de, 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 de notre parti politique. Au détriment de, 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 qui? De, de, de Mamadi Doumbouya. Parce que Ousmane Gawal, tout ce qu'il fait, c'est pour Mamadi Doumbouya. Ousmane Gawal ne fait rien pour la Guinée. Tout ce qu'il fait, c'est pour Mamadi Doumbouya. Lui, il est avec Mamadi Doumbouya. Il n'est pas avec la Guinée. Et vous, vous le savez. Lui, Tanou par exemple, qui a rejoint maintenant le camp de Serag du Serag. Tanou, moi je l'avais dit. Je l'avais dit, Tanou Quand il m'a quand il a quand il au les congrès, quand il a vu qu'il ne peut plus être le fédéral. Moi je lui ai continue ton combat et tu ne vas pas regretter. Donc, si eux ils disent que toi tu es avec le Serag, alors que tu n'es pas avec le Serag, mais continue, la vérité triomphera. Mais regarde il n'a même pas laissé deux mois. C'est-à-dire, ça a été tellement court, même pas un mois, donc déjà, ce que les gens disaient de lui, lui-même, il a confirmé. Lui-même, nous il a confirmé. C'est extraordinaire. Ça dit, les gens te disent que tu es du Sérac. Toi, tu dis que tu n'es pas du Sérac. Alors, tu voulais être le, le fédéral de l'UFDG ici en France. Ça dit, être le fédéral, ça dit, tu voulais être le, 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 le fédéral d'ici. Maintenant toi, on te refuse maintenant d'être le fédéral. Le lendemain, tu vas directement au que Ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui ont refusé de te donner euh, le poste, ils ont raison sur quoi Moi, je ne savais rien. Moi, je croyais à Tano. Vous savez très bien, il a passé sur ma page ici à plusieurs reprises. J'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours aimé euh, sa façon de faire. J'ai toujours collaboré avec lui parce que moi, je pensais qu'il était sincère. Moi, à mon, à, euh, comment dire, à sa place, même si je me retire de l'UFDG, même si je me retire de l'UFDG, mais je n'irai pas ailleurs. Mais je ne resterai pas encore dans l'UFDG, dire que je ne suis pas d'accord avec euh, les décisions de la direction. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que personne ne me paye. Personne ne me paye. Donc si je ne suis pas d'accord, mais je me retire. Moi, aujourd'hui, si je ne veux plus perdre ce combat-là, je me retire définitivement. Mais définitivement. Mais pas pour aller au pouvoir. Ni pour aller dans un autre part. C'est-à-dire, je me retire définitivement. Parce que le combat, c'est avec conviction qu'on peut le mener. Avec conviction. Si vous n'avez pas de conviction, mon frère. Mais arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Vous ne voulez pas être vraiment de l'UFDG. Pourquoi vous réclamez de l'UFDG le samedi passé, tout le monde a vu vos visages. C'est terminé. Moi j'avais dit ici auparavant, je dis Pour que la Guinée avance, il faut que ces gens-là, tout le monde soit dévoilé. C'est-à-dire, il faut que tout est -dire, tous les rideaux qui les cachent, tous les rideaux tombent. Il faut que tout tombe d'abord parce que la Guinée va triompher. La vérité va triompher en Guinée. Vous avez vu le samedi tous les gens qui sont sortis, tous les gens de, qui se disent de l'UFDG qui sont sortis. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est fini pour eux, c'est terminé. Parce que à partir de maintenant, tout le monde les connaît. Ils ne vont plus encore occuper des postes à l'UFDG. C'est terminé. C'est terminé. Vous êtes du Serag. Bon sens à vous. Allez-y. Mais laissez notre parti politique. Voilà. Ousmane Gawal, il n'est rien pour nous parce qu'il est expulsé du parti. S'il est ministre de la République, il n'a qu'à aller travailler. Il n'a qu'à aller travailler. Et qu'il arrête de voler l'argent du contribuable. C'est ça. Distribuer ici de l'argent aux gens pour que tout simplement détruire une personne. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Depuis que moi je l'ai vu à l'hôtel Ousmane Gawal, depuis que je l'ai vu, moi j'ai dit Ousmane Gawal, Laisse ces Daleng. arrête, arrête de parler de celle Tu ne peux pas vivre sans celle Mais tout son problème, c'est celle Daleng. Et vous, vous le savez, aujourd'hui, tous ceux qui sont avec Ousmane Gawal, c'est eux qui critiquaient hier Ousmane Gawal. Donc aujourd'hui, comme ils ont les ils ont ils ont ils ont, ils, ils ont eu euh, comment dirais-je, un peu de d'argent. Ou bien comme ils ont des promesses, c'est pour cela. Mais maintenant, si demain, maintenant, Mamadi Doumbouya tombe, qu'est-ce que vous faites Moi, c'est ce que je me demande. Mamadi Doumbouya, on vous dit que demain, il est tombé. Qu'est-ce que vous faites Il a pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites Mais Mamadi Doumbouya, de la manière dont il est venu au pouvoir, comme il n'a pas respecté ses engagements, c'est de la même manière qu'il va partir. C'est de la même manière qu'il va partir. Donc, mes chers compatriotes, le combat continue. Sachez que euh, le nommé euh, Kindi, qui est en Allemagne, je vais le dire son nom pour que vous le sachiez. Le nommé kindy Kindi qui est en Allemagne, tous ceux qui sont amis avec lui, bloquez-le. Tous ceux qui aiment la Guinée, je dis, tous ceux qui aiment la Guinée et qui sont avec lui, qui sont euh, qui, qui sont amis avec lui, bloquez-le. Si vous avez euh, une plateforme de communication, si vraiment Kindi est dedans, enlevez-le. Enlevez-le. Donc, c'est pour cela que je vous dis que c'est un homme très dangereux. Parce que lui, il est là pour s'aimer la zizanie entre les gens. Lui, il n'aime pas la Guinée. Lui, il est là. Il ne suit que son intérêt. Tantôt, il est de l'UFDG. Tantôt, il est du RPG. Tantôt, il est du CEREC. Tantôt il est du, du, du esprit CNRD, donc celui-là, tout le monde doit l'écarter sur le chemin. Tout le monde le connaît. Moi, je vous demande à partir... Moi, ça fait très longtemps. Moi, je ne parle plus avec lui, parce que j'ai considéré que c'est une personne vraiment non grata. Donc, expulsez-le de toutes les plateformes. Ça, je vous le recommande. Expulsez-le de toutes les plateformes. Radiez-le. Bloquez-le parce que s'il sème la zizanie entre les gens, il n'est pas bon. Donc, mes chers compatriotes, le message est long. Je m'arrête là. Euh, J'étais venu juste pour vous dire que voilà, euh, je suis bien rentré chez moi, je suis bien libre. Merci beaucoup. Merci à vous tous euh, pour les cœurs et pour les partages. Euh, voilà, euh, je reviendrai très bientôt. Hein. Euh, grâce à Dieu, euh, nous allons gagner ce combat. Parce que nous sommes euh, en train de mener un combat très noble pour notre pays. Et Dieu va nous aider. Soyons sûrs que personne ne viendra le faire à notre place. Il faut qu'on le fasse. Et tout le monde le sait que nous allons le vaincre. Nous allons vaincre ces ennemis-là. Parce que c'est les ennemis de la nation tous ceux qui sont avec Mamadi Doumbouya, le CNRD, le cercle d'Ousmane Gawal, c'est les ennemis de la nation. Ça, c'est clair et net. Donc, euh, euh, merci à vous tous et euh, à bon entendeur, salut et à très bientôt.